Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Tu t'es couché tôt. Ton sommeil a été paisible. Tu avais remonté ton réveil. Tu l'as entendu sonner. Tu as attendu qu'il sonne pendant plusieurs minutes au moins, déjà réveillé par la chaleur, ou par la lumière, ou par l'attente. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Non, j'écris. C'est les animaux à territoire, il y a des animaux sans territoire, non. Mais les animaux à territoire, c'est prodigieux. Et sortir du territoire, non, c'est s'aventurer. Il y a des bêtes hein, qui reconnaissent leurs conjoints. Ils le reconnaissent dans le territoire, mais ils ne le reconnaissent pas hors du territoire. Il n'y a pas de sortie du territoire, c'est-à-dire de déterritorialisation, sans mettre un effort pour se reterritorialiser ailleurs, sur autre chose. C'est ça qui me fascine. Tu restes dans ton lit. Tu ne bouges pas. Tu ne bougeras pas. Un autre, un sosie, un double fantomatique et méticuleux fait peut-être à ta place, honneur, les gestes que tu ne fais plus. Pas très beau. Tu refermes les yeux. Zero hour, 9 a.m. Qu'est-ce que c'est que Norvège? C'est un grand pays avec beaucoup d'espace. On n'a pas vu beaucoup de monde. On est un peu. Ils sont un peu timides. Vous pouvez penser qu'ils sont froids, mais ils sont pas froids, mais il faut ça prend du temps pour les contacter. Des Norvégiens, quand ils rencontrent des gens qu'ils ne connaissent pas, s'ils le voient assez tôt, ils prennent notre chemin. Mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils n'ont pas d'habitude de rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas. La météo avec Atlantique, marque de climatisation pour la maison et l'entreprise, installée par les professionnels. Il fait beau aujourd'hui, Jacques Kessler. Alors du beau temps, surtout dans les régions voisines de la Manche, de la Belgique, de l'Allemagne, jusqu'au bassin parisien, au Val-de-Loire. Généralement une journée de ciel bleu, donc beaucoup de soleil, chaleur estivale, 25 degrés cet après-midi à Deauville, 27 à Paris et à Strasbourg. Au sud de la Loire, en direction du sud-ouest, le temps sera globalement beau, mais avec tendance orageuse, c'est-à-dire qu'il y aura souvent du soleil. Un temps instable tout de même, évolution orageuse possible, surtout dans l'après-midi. Température assez élevée, 25 degrés entre Bordeaux et Nantes, gare plus de 21 toutefois à Toulouse.
Dans le sud-est, sur les régions méditerranéennes et jusqu'aux Alpes, l'Auvergne, là ce sera un temps orageux mais avec nuages prédominants. Les températures seront généralement moins élevées qu'hier, 22 degrés prévus à Clermont-Ferrand en Nice, seulement 19 à Ajaccio. Il faut dire que la Corse sera particulièrement exposée aux pluies d'orage, déjà ce matin de la pluie sur une grande partie de la Corse. Et au cours des prochains jours, le contraste nord-sud va s'atténuer. Jacques, est-ce que le beau temps continue cette semaine? Et il continue un petit peu dans le nord restera un petit peu privilégié, mais quelques orages vont quand même atteindre les régions les plus au nord, donc il n'y aura plus beaucoup de différence avec le sud. Soyez les bienvenus sur France Inter, il est 8h. Le journal de Patrick Cohen. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Ça va bouger dans les lycées sous pression. Ça va mieux, c'est bon, je me suis réchauffé. J'ai eu un peu peur, mais j'ai les mains chaudes là, ça va. C'est rouge. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week, a rocket. Be a long, long time. And I think it's gonna be a